Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ce très joli poncho qui peut être taille bébé, enfant ou adulte en fonction du nombre de mailles que vous allez faire. Chose que je vous expliquerai directement après. J'ai rajouté ces franges qui font aussi un petit plus. Il est très très facile à faire. Rapide en fonction de la taille que vous aurez choisie, mais très facile et très joli. Alors pour ce poncho, j'ai pris du rose et du blanc. Je vais le faire en deux couleurs, parce que comme c'est pour ma petite fille, donc c'est les couleurs qu'elle aime bien, je vais le faire avec ça. J'ai pris le crochet numéro 4 pour que la maille et le point soient un peu plus doux, moins serrés. Et avant de commencer pour la taille, alors je vous avertis directement que je ne suis absolument pas du tout experte en dessin. Parce que là, je vais vous en montrer un qui est assez horrible. Mais c'est surtout pour vous montrer comment faire pour savoir le nombre de mailles chaînettes dont vous aurez besoin. Ce poncho, vous pouvez le faire pour un enfant de 2 ans, pour un adulte de 40 ans, ça a aucune importance. Moi, ce que je fais... Je fais des mailles chaînettes, donc je ne sais pas, on va dire j'en fais une centaine. Après, si je veux que le poncho de ma fille aille d'ici à là, je le passe sur sa tête, voir si ça fait le tour. Si ça fait le tour, c'est bon. Si vous voulez que le poncho soit plus grand, vienne directement aux épaules, vous faites plus de mailles chaînettes. C'est tout simplement ça qu'il faut savoir pour les tailles. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, quelle que soit la taille que vous avez décidé de faire, le nombre de mailles chaînette que vous allez faire doit être multiple de 4. C'est tout. Donc c'est vraiment très très facile, adulte ou enfant. Vous prenez la mesure, en fait, moi c'est ce que je fais des mailles chaînettes sans trop compter, je les compte pour savoir où j'en suis. Après je ferme avec les doigts, je passe au-dessus de la tête, je rentre dans la tête voir si ça passe, si ça tombe exactement où j'ai décidé. Si ça le fait pas, je fais plus de mailles, si c'est trop, j'en diminue. Et je vérifie qu'à la fin, le nombre de mailles chaînettes que j'ai fait soit multiple de 4. Donc, vous pouvez faire enfant, adulte, aucune importance. Voilà. Donc, moi, pour ma petite fille de 8 ans, j'ai déjà commencé par le rose, j'ai fait 112 mailles chaînettes. Ensuite, vous faites bien attention à bien prendre la chaînette dans le bon sens, donc à l'endroit, pas à l'envers. Vous prenez tout à l'endroit. Parce qu'on va fermer avec une maille coulée dans la première. Voilà, donc là on a tout bien pris à l'endroit, on va dans la première maille qu'on a fait et on ferme avec une maille coulée. Voilà. Ce poncho est très très joli et très facile et très rapide à faire. Aucune complication. Alors dès qu'on a fait, quel que soit le nombre de mailles que vous avez, dès qu'on a fermé avec une maille coulée, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. 2, 3. On va aller dans la maille suivante. On va faire une bride. Alors conseil, comme d'habitude, coincez votre fil en même temps que vous faites vos brides. Après, vous n'aurez plus qu'à le coincer, qu'à le couper, pardon. Dans la maille suivante, à nouveau, une bride. Donc là, j'ai un groupe de 3 brides. On va faire une maille en l'air de séparation. On va passer la première maille, on va aller dans la deuxième et on va refaire un groupe de 3 brides. Une, deux. Trois. À nouveau, une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième maille et on refait un groupe de 3 brides. Donc là, vous aurez compris que c'est le même procédé sur tout votre tour. En tout cas, sur le premier tour, c'est exactement le même procédé jusqu'à la fin. Un groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation, vous passez une maille, vous allez dans la deuxième et vous recommencez un groupe de 3 brides. C'est le même procédé tout le tour. On se retrouve à la fin, où vous verrez tout de suite si vous êtes trompé ou pas dans vos mailles, parce qu'à la fin, il devrait vous rester une maille que l'on ne va pas travailler, bien entendu. Donc, je vous laisse faire, on se retrouve. Voilà, alors après avoir terminé tout votre tour de groupe de 3 brides,
Normalement, c'est là qu'on voit si on s'est trompé ou pas dans les calculs parce qu'il reste une maille, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous faites une maille en l'air, vous comptez 1, 2, 3, la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, plus 2 mailles en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant, on va faire à nouveau un groupe de 3 brides. Alors, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. On va à nouveau dans l'espace suivant, où on refait à nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer jusqu'à quel moment vous allez faire ça, parce qu'on n'a pas forcément toutes le même nombre de groupes de 3. Moi, ici, j'ai compté que j'ai 28 groupes de 3 brides. Donc, à partir de maintenant, du premier groupe ici qu'on vient de faire, je vais en faire 14. La moitié de 28, 14. Donc là, je vais en faire 14. Si vous avez, on va dire, 40 groupes de 3 brides, à partir de là, vous comptez donc la première, vous allez faire 20 groupes de 3 brides. Vous divisez par 2 et à partir du premier groupe qu'on a fait, vous faites la moitié. Moi, 28 divisé par 2 fait 14. Donc, j'en ai fait 2, je vais en faire 14 et pour après vous montrer la suite. Donc, je vous laisse faire en divisant par 2 et on se retrouve à la moitié. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos groupes de 3 en fonction de ce que vous avez divisé, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 28 groupes de 3 divisé par 2, ça me fait 14. Donc, à partir du premier groupe, je fais 14 groupes de 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vous devez faire pareil. Quand vous avez fait la moitié de vos groupes de 3, donc dans le dernier que vous venez de faire, comme là dans mon dernier groupe de 3, 14, je tire un petit peu. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, et dans le même espace, là, je refais un groupe de 3. 1, 2, 3. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air de séparation, je vais dans le prochain espace où je refais un groupe de 3. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation. Dans le prochain espace, je refais à nouveau un groupe de 3. 1, 2, 3. Vous allez faire le même procédé sur tout le reste, sur tout ce qui vous reste, jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans le dernier espace. Donc, je me suis arrêtée juste avant le dernier espace où je fais 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Je vais faire 3 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, je tire un peu, s'il n'y a pas assez de place. Dans le même espace, je vais faire 1. 2 brides et dans la maille ici de départ, les 6 mailles en l'air qu'on avait fait, on va compter 1, 2, 3, à la troisième maille, on ferme avec une maille serrée, ce qui fait qu'on se retrouve avec les deux groupes de 3 séparés par 3 mailles en l'air. Les calculs, si tout s'est bien passé dans les calculs, voilà, notre travail, nos deux pointes sont vraiment bien alignés. En faisant comme je vous ai expliqué, en espérant que j'ai réussi à bien vous expliquer, nos deux pointes seront bien alignées, ce qui fera que le poncho n'aura pas de défaut ou trop d'un côté ou pas assez de l'autre. Et ça vous fera ça à peu près. Voilà. Ça fera la même chose des deux côtés. Je vous montre comme ça. Alors pour la suite,
Moi, je vais faire encore un tour en rose. Après, je vais passer au blanc. Donc là, comme on a terminé comme ça, on va faire. Dans le prochain espace, on va avancer en maille coulée. Là, on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Dans le même espace, on va faire deux brides de plus. Deux. Avec les trois mailles en l'air de départ, ça nous fait de nouveau un groupe de trois. Deux mailles en l'air de séparation. Dans le prochain espace, vous refaites un groupe de trois brides. Une. Deux. Trois. Deux mailles en l'air de séparation. Dans le prochain espace, à nouveau un groupe de trois. Je vous ai dit, il est très facile, il est très joli, franchement. Et aussi également très facile à faire et très rapide, sans avoir besoin d'avoir des tailles précises ou pas, puisque les tailles sont très simples à compter aussi. Donc je vous laisse suivre ce procédé jusqu'à ce que vous arriviez au premier angle qui se trouve ici. Donc je vous laisse arriver jusqu'ici à faire vos groupes de 3 brides. Je vous réexplique une dernière fois comment faire du côté des angles là. Et là, on va faire toujours la même chose également. Alors, je vous laisse arriver jusqu'au dernier et je vous montre pour la suite. Voilà, je me suis arrêtée donc en dernier espace avant l'angle. Ici, vous continuez à faire deux mailles en l'air de séparation. Vous allez dans l'espace des trois mailles en l'air où vous allez refaire la même chose. Ce qui veut dire qu'on va faire trois brides dans le même espace, trois mailles en l'air de séparation, donc trois brides, une, deux, trois mailles en l'air de séparation, et toujours dans les mêmes espaces, vous allez refaire trois brides. Une, deux et trois. Donc ce n'est vraiment pas compliqué. Quand vous êtes dans les espaces, vous reproduisez la même chose en ayant trois mailles en l'air de séparation. Et quand vous êtes dans les espaces, dans les petits groupes là, vous faites toujours deux mailles en l'air de séparation entre chaque, une, deux, et vous allez dans l'espace suivant, vous refaites trois brides, une, deux, trois, deux mailles en l'air de séparation, dans l'espace suivant, à nouveau trois brides. Vous continuez le même procédé jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre angle, où on va refaire la même chose. On se retrouve à l'autre angle que je vous montre à nouveau comment ça, on y fait. Donc là, je me suis arrêtée le dernier espace avant l'angle. On refait deux mailles en l'air de séparation. On va à l'intérieur de l'espace. On va refaire trois brides. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et à l'intérieur du même espace, on va refaire trois brides. Une, deux, trois. Là, on fait deux mailles en l'air de séparation. On compte une, deux, trois. À la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Là, on va faire donc trois mailles en l'air qui comptent comme une bride et deux mailles de séparation. Donc, ça nous fait cinq mailles en l'air. On va dans l'espace suivant où on fait de nouveau un groupe de trois brides. Trois. Deux mailles en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant où on recommence. On refait un groupe de trois brides. Une. 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation, dans l'espace suivant à nouveau un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Je vous laisse faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau dans l'angle où on se retrouve pour que je vous remontre une fois à nouveau comment reproduire l'angle.
Donc, je suis à nouveau un espace avant l'angle. Oh, on fait deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace, on va faire trois brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace, on va refaire à nouveau trois brides, tout simplement. Voilà. Là, on continue avec deux mailles en l'air de séparation. Dans le prochain espace, on refait un groupe de trois brides. Brides, deux mailles en l'air de séparation. Dans le prochain espace, à nouveau un groupe de trois brides. Donc je vous laisse continuer votre tour de cette façon là. On se retrouve à nouveau quand on arrive à l'autre angle pour finir notre tour. Je me retrouve de nouveau avant l'espace, deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace de l'angle, je refais trois brides. Trois mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, je refais à nouveau trois brides. Deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire je reprends, désolé, deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je vais faire une, deux brides. Vu qu'ici, on est monté de 5, on va compter une, deux, trois. Dans la troisième, je ferme avec une maille coulée, ce qui vous fait de nouveau un groupe de 3. Je vais essayer de vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Déjà une très jolie forme. Donc moi ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 4 tours de rose. Là je vais changer de couleur, je vais revenir avec mon blanc. Comme ça je peux vous montrer, si jamais vous changez de couleur, à quel endroit vous vous accrochez. Voilà, donc là j'ai préparé mon fil en blanc. Si vous changez de couleur, vous vous accrochez toujours dans un des angles, tout simplement. Donc là je vais rentrer. Avec une maille coulée. Je vais faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois, qui comptent comme une première bride. Pour la même occasion, je profite pour accrocher mon fil dans mes brides. Donc, et à l'intérieur, je fais de nouveau, alors, deux, trois brides, trois mailles en l'air de séparation. Oups, pardon. Voilà, je tire un peu pour faire de l'espace. Et je refais à nouveau trois brides dans le même espace. Une, deux et trois. Et là, je continue. Deux mailles en l'air de séparation dans le prochain espace. Je refais un groupe de trois brides. Deux mailles en l'air de séparation. Dans le prochain groupe, je refais à nouveau un groupe de trois brides. Et ainsi de suite jusqu'au prochain angle où vous allez recommencer. Je vais vous remontrer. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vous laisser continuer tranquillement. Donc là, vous allez faire deux mailles en l'air
de séparation dans chaque espace. 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation, espace suivant, 3 brides. Jusqu'à chaque angle, vous n'en avez que 2. Dans les angles, vous avez vu qu'on fait 3 mailles de séparation. Donc ici, vous faites 2 mailles en l'air, intérieur de l'angle, 3 brides, 3 mailles de séparation, 3 brides dans le même, 2 mailles en l'air de séparation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Et quand vous redémarrez votre travail, dès que vous avez fini, là, on va dire que là, on a fini. Quand vous démarrez votre travail, on fait 3 brides qui comptent comme une première, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus 2 mailles en l'air qui font la séparation. Donc, comme je viens de vous montrer, il n'y a rien qui change. À partir de maintenant, c'est la seule chose que vous devez vraiment faire attention, c'est à ne pas oublier. Vous allez, dans chaque angle, vous répétez la même séquence avec toujours 3 mailles en l'air de séparation. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et de tous les côtés, vous faites simplement des groupes de 3 brides, séparé par 2 mailles en l'air de séparation. C'est la seule différence qu'il y a. Donc à partir de maintenant, moi je vous laisse faire tous les tours que vous voulez. Donc en fonction de la longueur que vous avez choisie. Moi je vais faire 4 de rose, 2 de blanc et ainsi de suite jusqu'à la fin. Un poncho, logiquement, on s'arrête toujours un peu avant le poignet. Vous pouvez le faire encore plus court ou encore plus long. Ça c'est vraiment question de goût et de couleur, comme on dit. Et on se retrouve à la fin, parce que je vais mettre des petites franges, donc pour celles que ça intéresse, je vais mettre des franges à la fin, quand on aura terminé. Alors, je vous laisse faire tous vos tours, on se retrouve dès que ce sera fait. Alors, après avoir fait tous vos tours, en fonction de la taille que vous avez choisie, et avant de passer aux franges, je me suis accrochée avec mon blanc, mais ça c'est optionnel, c'est pas une obligation. Je me suis accrochée là, on a commencé les mailles chaînettes, donc le tour du cou. Au milieu, dans la maille qui va avec les angles, et on va juste faire un tour de maille serrée pour faire une jolie finition, tout simplement. Donc je me suis accrochée avec une maille coulée, et puis maintenant on va faire simplement un tour de maille serrée. Ça fait une finition un petit peu plus sympa. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour du cou, le départ qu'on avait fait, maille serrée jusqu'à ce qu'on revienne ici, on va fermer avec une maille coulée. Ensuite, on fera les franges. Moi, les franges, je vais les faire de deux couleurs, puisque comme j'ai fait le boléro de deux couleurs, je vais faire les franges également de deux couleurs. Mais tout ça, maintenant, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez même également prendre un tuto, le tuto des roses, faire une rose et puis simplement la broder dessus. Ça fait très très joli aussi. Voilà, donc je finis mon tour, je vous laisse finir le vôtre, on se retrouve après. Voilà, donc après avoir fini tout votre tour en maille serrée, moi en tout cas je prends une fourre DVD, après à vous de voir ce que vous prenez. Je prends le fil pour faire les franges. Je l'accroche, je le tiens au DVD et je vais faire simplement le tour. Comme ça, tous vos fils auront la même taille. Là, je vais faire un simple échantillon, si on peut dire. Après, je laisserai faire. Donc voilà, vous faites ça. Normalement, vous remplissez tout le CD. Ce sera plus facile. Donc là, j'ai fait en blanc. Et comme j'avais fait aussi du rose, je vais également faire avec mon rose. Où j'accroche également mon rose autour et je fais pareil. Vous faites simplement le tour, c'est pour avoir les fils de la même longueur pour les franges. Voilà, donc dès que vous avez fait tout votre tour comme ça vous arrange, vous n'avez plus qu'à couper les fils. Voilà, après avoir coupé vos fils, moi je les sépare par deux. Vous les séparez par deux. Vous les pliez également encore en deux, comme ça. Vous prenez votre poncho, mais vous prenez le côté à l'envers vers vous.
On va mettre le côté à l'envers vers nous. Je vais commencer par un des angles où je vais mettre à l'intérieur de l'angle, ramener mes deux fils avec moi. Ça me fait une petite boucle. Et là, je fais comme si je faisais une maille. Je ramène mes autres fils à travers les deux. Je tire doucement. Ensuite, vous pouvez vous tirer correctement que ça tienne. Et du côté à l'endroit, ce sera super joli parce que ça donne vraiment quelque chose de sympa. Alors, vous avez la possibilité par la suite, je vais vous remontrer. Donc, je reprends, vous pouvez le faire de la même couleur, ça ne change rien. Là, je trouvais que c'était plus original, comme j'ai fait en deux couleurs, de faire les franges pareilles. Voilà, donc j'ai pris mes deux fils que je plie encore en deux. Alors après, vous avez la possibilité, c'est de faire les franges que dans les espaces ou alors de remplir un peu plus sur les trois brides qu'on a à chaque groupe, c'est de rentrer dans celle du milieu. Voilà. D'aller chercher votre fil et de ramener le reste à travers la boucle et de tirer tranquillement. Je vous montre du côté à l'endroit. Ensuite, je vous refais encore un ou deux, je reprends deux fils. Je suis désolée pour le fait que je n'ai pas le... Je fais mes tutos absolument pas avec le matériel qui est nécessaire, donc je fais avec ce que j'ai. Donc c'est pas forcément toujours évident pour filmer, donc je suis vraiment désolée. Mais... Alors là, je m'introduis dans l'espace. Je ramène le fil à l'intérieur de l'espace et qui me fait une petite boucle ici. Je prends les fils qui me restent et je les ramène à l'intérieur de l'espace. Je les fais tous passer tranquillement. Et là, à nouveau, je tire. Je reprends mes deux fils que je replie à nouveau en deux. Je vais dans le troisième ici, où je vais chercher mes fils de l'autre côté, je les ramène, j'ai ma boucle et je tire délicatement. Ensuite, je peux fermer correctement. Voilà, oups, j'essaie de mettre du côté. Oups, là, du bon côté. Voilà. Je vous laisse faire ça tout le tour. Ensuite, si vous voyez que vraiment ça se peut, voilà, comme là, il y a des fils qui ne sont pas forcément... Après, je les fais un par un, vous voyez. Là, je vois qu'il y a une petite différence juste pour celui-là. Je ne vais pas les faire, je vais pas les prendre tous en même temps. Parce que c'est normal qu'elles ne sont pas pareilles, puisque là, ça descend et là, ça monte. Donc, ils ne sont jamais pareils. Mais je prends un par un au fur et à mesure que je les fais. Et ensuite... Il faut que j'aille chercher le couteau, le ciseau adéquat, mais bon, je coupe pour avoir vraiment la bonne taille pour chacun d'entre eux. Voilà, je fais le dernier encore. Voilà. Donc, je vous laisse finir tout le tour de votre poncho de cette façon-là, pour celles qui veulent mettre les franges. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Voilà le résultat fini. Je vous montre... Du devant, le derrière. Il est vraiment très 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 joli avec ses franges de diverses couleurs. Voilà, ben j'espère que ma nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur j'aime,
à partager la vidéo, à faire un tour dans ma boutique qui est toujours là. Et je vous dis à bientôt.